Christ n'était pas là. Nous allons prier dans le nom de Jésus. To yin ko Jesu Kristo ton me wa bi to de hote. Au nom de Jésus Christ. Oto. Père. Yewa ni hiho ayi ho ton. C'est toi la lumière du monde. Mere pepe de ho do we emana si son ni to si fu me pede. Quiconque te suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Mi ho do wi. T'avons suivi. Nien kodo akun to e male ton retin to fi ko. Wa ton église de Malé ici présent. De ta lumière, mais nous te demandons. Toi dit tado, nous prenons mes aides, mais il y a nos poids dynamiques des filles au cœur. Nous nous éclairons dans ce passage que nous avons mis ensemble. Nous prenons mon Dieu, nous go d'abord, nous y sommes. Pour nous, nous portons des filles. Na big boy, big boy, big beton, big boy, nello. Ni masomo debiton zambablo to. Na jamio. De to yeme, baro na hala me, ba nuni na towe, eno yi meton, nuni na de jehe, yeno mo yi son asiwe, jomi yon la, okulu no, ani basina me okulu poto afonu ere di yon to. Amen. To Jesu, mwene kanto si yin kom. Amen. Fide mi iya e. Ce passage que nous venons de lire. Mina dora mi gyanu kon. Nous allons vous dire d'avance. Si quelqu'un ne suit pas ce passage avec tout son cœur, il ne pourra pas comprendre. Ni à terre ne vogo, bolo ho dans le tome na we to to we to we we na ye na to nukro me la zebo, mi na to nukro yi do to zede me nukro me la tome, amara mo nukro yende pe gwa na iwe tata. Si tu t'attaches à autre chose ou que tu es là chuchoter des paroles dans l'oreille de ton prochain. Au moment où la parole est prêchée, tu vas retourner bredouille à la maison parce que tu ne comprendras rien. Au moment où la parole sort, où elle est prêchée, si c'est en ce moment précis que toi tu as soif et tu vas courir alors éteindre ta soif, tu vas encore retourner dans ta maison bredouille, tu ne comprendras rien. C'est comme ça, Premièrement, nous connaissons déjà ce jour. Aucun d'entre nous ne pourra donc avoir foi ou soif. Il y a également certains qui ont pour coutume d'aller à la toilette au moment où la parole de Dieu est prêchée. C'est ça l'habitude. Là, tu dois abandonner ça parce que si c'est ton habitude, tu ne vas rien garder de la parole de Dieu. Un jour, on a posé la question à une personne pour lui demander, aujourd'hui, quand tu es allé à l'église, quelle est la parole de Dieu que tu as entendue, que tu as écoutée? Dis-nous un peu. Et donc, on est là, Il dit, c'est précisément en ce moment qu'il a envie d'aller faire ses besoins à la toilette. Il est parti avant qu'il ne revienne. Que le prêche est déjà terminé. Non, l'aigle par un tobin, toi, non, oui. Mais non, l'aigle par un tobin, toi, non, oui. Et nous, on lui a dit que c'est le diable qui t'a hâté de cette manière-là. Bon, oui, nous, ma ou l'autre, il tombe, il y a lancé vos gants, il y a eu. Et c'est au moment où la parole de Dieu sort que toi tu as envie d'aller à la toilette faire tes besoins. Et avant que tu ne reviennes, c'est déjà terminé. Tu n'as plus rien gardé maintenant que tu es allé à l'église. C'est grave. Amen. La parole de Dieu que nous venons de lire ici, nous vous disons. Que le 15e verset est vraiment un verset important. Et même si, après avoir tout prêché,
Si on arrive à tout oublier, on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier cette partie. Le 15e verset qui nous dit. Mais que professant la vérité. Dans la charité. Nous croissions. À tous égards. En celui qui est le chef. Christ. Qui soit rendu au nom de Jésus. On va croire dans celui qui est le chef. Christ. Est-ce que toi tu as déjà grandi dans celui qui est le chef Christ? Depuis que tu as cru et tu ne fais que compter les années que tu as déjà passées dans la chrétienté, est-ce que tu as déjà grandi dans le chef qui est Christ? Il est obligatoire que l'on connaisse la croissance dans celui qui est le Christ. Et il faut grandir en celui qui est le Christ. Si tu n'as pas cru en celui qui est le Christ, et que c'est dans l'église que tu as connu la croissance et tu es grand, ancien dans l'église. Dans ta famille, dans ton quartier, tu as connu de croissance et tu es appelé ancien. On dit c'est un ancien. Et toi-même, tu te vantes de cela. C'est que tu n'as déjà rien trouvé. Nous voulons t'attaquer de quoi, Agbany? Tu es encore et tu demeures un vil individu. Et pour ne pas être un vil individu, il m'est important et obligatoire. Il est aussi obligatoire que tu connais la croissance en le chef qui est Christ. Sais-tu que c'est Christ qui est le chef? C'est ce qui reste à chacun de nous. C'est Christ qui est le chef. Dans l'église, c'est Christ qui est le chef. Dans ma famille, dans ma maison, c'est Christ qui est le chef. Qu'est-ce qu'on fait à un chef? Il n'y a pas de chef. On obéit au chef. Et n'importe où on se trouve, on ne peut pas aller contre la décision du chef. Parce que le chef a donné un ordre et c'est ce que l'on doit respecter. C'est Christ qui est le chef. Si nous pouvons reconnaître que c'est Christ qui est le chef, nous allons croître en toutes choses. En Christ. Nous allons croître dans la réception du don de l'Esprit. Nous allons croire dans la louange que nous ferons à Dieu. Ce n'est pas des hommes que nous allons louer. Jusqu'à ce qu'il y ait des disputes parmi nous. Si nous reconnaissons que Christ est le chef, une fois venu dans le temple, nous devons y rester avec la crainte de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, nul n'osera chuchoter des paroles dans l'oreille de son prochain. Mais il ne devrait pas avoir des allers-retours parce qu'il y a certains qui ont ces comportements et c'est seulement quand la parole de Dieu est prêchée qu'ils vont aller par-ci, revenir de l'autre côté, aller de l'autre côté. Et ils ne comprennent pas le fondement de la parole de Dieu. Et quand ils arrivent à écouter des doctrines, des autres doctrines,
ils acceptent et suivent cela bêtement. Et eux, ils ajoutent la foi, ils voient toute parole comme vraie. Parce qu'ils ne se sont pas attachés au fondement de Christ qui est le chef. Amen. Professant la vérité, dans la charité, nous croissions. À tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est une parole vraiment importante. Croire en celui qui est le chef. Et la Bible nous montre clairement celui qui est le chef, Christ. C'est Christ. Nous allons croire en Christ en toutes choses. C'est ce que nous montre le 15e verset de la parole qui dit de croire en toutes choses. Nous allons croire en Christ en toutes choses. C'est ce que la Bible nous révèle au 7e verset. D'accord. Amen. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Christ a des mesures. Et chacun a sa mesure qui lui sera donnée. Selon la grâce que tu as reçue. C'est pas grâce. Mais celui qui reçoit la grâce, Christ lui donne selon sa mesure. As-tu déjà reçu la grâce? Ce n'est pas que nous venons déjà à l'église qui signifie que nous avons déjà reçu la grâce. Tu vas recevoir la grâce. Tu dois vraiment persévérer pour cela. Tu dois reconnaître Christ comme chef. Celui qui reconnaît Christ comme chef et qui lui obéit et qui s'humilie devant lui, sa mesure lui sera donnée par grâce. Et quand là on parle de grâce, cela veut dire qu'il y a vraiment péché, mais le péché a été pardonné. Il y a péché, mais cela a été pardonné. On a fait grâce de cela. On n'a plus considéré ce péché-là. Mais la grâce lui a été faite. Et il a été pardonné. Et ses péchés ne sont plus comptés. Comment allons-nous faire, toi et moi, pour recevoir la grâce de Christ? Il est obligatoire que tu cherches la grâce de Christ. Mais à chacun, la grâce que reçoit chaque personne est différente. Le Père reçoit sa grâce à part. C'est pourquoi quand tu regardes la Bible, il n'y a pas de ressemblance dans les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'égalité entre les serviteurs de Dieu, mais chacun, selon la grâce qu'il reçoit de Dieu, agit selon cette grâce. La grâce de Moïse est à part. Joshua, ton sort de vous. Celle de Josué aussi. Et celle des juges, les Samson et autres, c'est à part aussi. Les prophètes aussi ont leur grâce. Dieu les a utilisés différemment. La manière dont Dieu a utilisé Samuel, ce n'est pas de cette même manière qu'il a utilisé Élie.
Des amis chez d'autres, mais moi, ils ont pas de colère d'eau. La manière dont il a utilisé Michel, ce n'est pas de cette manière qu'il a utilisé les autres prophètes. Ils ont pas de colère. Nous, bon, là, il est maman. C'est pour cela que les autres prophètes n'ont pas pu trouver la vérité. Et c'est seul à Miché que le secret a été dévoilé. La manière dont il a utilisé l'apôtre Pierre, ce n'est pas de cette manière qu'il a utilisé Paul. C'est différent. Chacun reçoit la grâce selon la mesure que Christ lui a donnée. Christ a une mesure dont il se sert pour donner à chacun comme il le faut. Si tu mérites la grâce, il te donnera sa mesure. Mais si tu ne mérites pas la grâce, il ne te donnera pas sa mesure. Tu seras dans l'église, tu seras que parmi le lot. J'ai ma mesure, toi aussi tu as ta mesure. Et il nous faut maintenant reconnaître Christ comme chef pour pouvoir recevoir la grâce venant de sa part. Considérons un peu les chefs de ce monde. Parce que bon homme aspire à leur grâce. On est toujours prêt, on est là à les servir, on se rapproche d'eux. Bonne chose. Et depuis que toi tu as cru, quelles sont les bonnes actions que tu poses pour avoir la grâce de Christ? Au contraire, tu n'as même pas considéré Christ. Tu viens à l'église avec des animosités. Avec colère. Tu viens à l'église avec colère. Et si tu somnoles, si les surveillants arrivent à ton niveau et te touchent, Tu t'énerves aussitôt. Tu t'énerves aussitôt. À la sortie, tu iras voir celui qui est établi sur les surveillants, tu lui diras: votre monsieur là, dites-lui quelque chose, reprenez-le. Sinon, si jamais il vient encore me toucher une fois assis à ma place, je ne vais même pas tailler d'importance à l'église, je vais commencer avec lui. Je ne ferai même pas cas d'un peu de honte. Je ne suis pas venu à l'église à cause de lui. Tu n'es pas venu à l'église à cause de lui. Est-ce que c'est cela qui te donne le droit de dormir à l'église? Et tu ne vas pas écouter la parole de Dieu. Tu vas venir à l'église dormir et retourner avec la bénédiction de sommeil. Il ne doit pas être ainsi. Si tu reconnais Christ comme chef, en cherchant sa grâce, tu ne vas pas tenir de tels propos. Au contraire, tu dois prier pour celui qui est venu te réveiller au moment où tu étais en prison. Parce qu'il souhaite ton salut. C'est lui qui t'aime. Il a manifesté les pas de vérité envers toi. Il n'a pas voulu que ton arrivée dans le temple soit vaine. Recherchons la grâce de Christ. En cela, la mesure du besoin que chaque personne de nous avons recevra cela. La mesure du don dont nous avons besoin, nous l'aurions. Parce que de chacun de nous dépend de la main de Christ.
Amon, na raison pour laquelle il n'y a pas à faire de compagnie dans Et nous ne peut envier le soir de son prochain. Et nous ne peut égaler l'autre. Quelle place Christ t'a donné? Agis selon ce qu'il t'a donné. C'est selon ce qu'il t'a donné, tu agiras conformément à cela. Et s'il ne t'a pas donné quelque chose, tu seras là. Tu ne feras rien. Tu seras du reste. Et ce que tu auras maintenant comme œuvre, c'est les murmures. Aller de maison en maison, d'atelier en atelier pour bavarder, raconter des villes pour toi. Parce que tu n'as pas reçu un don de l'Éternel. Christ a des dons qu'il donne. Mais il te faut reconnaître Christ comme chef d'amour. En cela, tu recevras la mesure de ton don. Quand on a connu Christ, et s'est humilié devant lui, il a pris soin de ce qu'il devait faire, ne s'est point amusé avec ces choses. Nous avons vu le don qui était pour lui, qui est aussi écrit dans la Bible. C'est que dans sa prière, l'ange l'a visité et s'est entretenu avec lui. Celui qui vit dans les cieux est venu s'entretenir avec lui qui est sur terre. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. Donc ici où nous sommes ici, mais nous sommes vus par les cieux. Christ est dans les cieux et voit chacun de nous. Ce que chacun de nous est en train de faire, il le voit. Rien n'est caché. Il y en a Saint Jésus. Adorer Christ n'est pas un slogan ou que je me conforme à ce qui se fait dans le monde. Non. Adorer Christ, c'est quelque chose d'important vraiment. C'est pour recevoir mon don qui est dans la main de Christ. C'est pour cela qu'on adore. C'est pour recevoir la grâce de Christ. C'est pour cette raison que l'on adore. Le 8e verset nous dit c'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Que la soit rendu au nom de Jésus dans les cieux. Étant monté aux cieux, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Es-tu déjà captif de Christ? Est-ce que Jésus t'a déjà saisi et t'a amené comme captif dans les cieux? Les choses mondaines, la convoitise ou l'orgueil du monde ne t'a pas permis d'être pour Christ. Jusqu'à ce qu'il te conduise comme captif. Celui qu'il saisit. Est-ce que Christ t'a déjà saisi? Tu viens à l'église. Est-ce que Christ t'a déjà saisi comme son captif? Il est obligatoire que nous fassions partie des captifs que Christ a emmenés dans les cieux. Ceux qu'il a emmenés, c'est ceux-là qui hériteront son royaume avec. Et c'est dès à présent qu'il est en train de faire. Ce n'est pas à son retour qu'il va emmener. C'est déjà l'instant qu'il est en train d'emmener. Sois parmi ceux-là que Christ va emmener. Sois parmi ceux que Christ a déjà emmené aussi. Si tu fais partie, tu verras qu'il t'accordera son don.
C'est pour cela qu'il a dit. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie? Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Avant qu'on ne parle d'ascension d'un homme, c'est qu'il vient des régions inférieures. S'il n'est pas descendu dans la région inférieure de la terre, il ne pourra pas monter. Le dixième verset nous montre. Celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus. De tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et la soeur a dit au nom de Jésus dans les cieux. Afin de gouverner sur toutes choses. Il n'y a rien qui doit être fait. Et on va diminuer Jésus à réussir dans cela. Oui, pareil. Est-ce la louange? On ne peut pas le diminuer en cela. C'est pour cela ceux qui sont du monde, ils s'élèvent d'abord, ils louent le magnifique d'abord, ils louent Dieu d'abord. Est-ce pour prêcher la parole de Dieu? Et tu vas diminuer Christ. Tu ne pourras pas prêcher. Est-ce la prophétie que tu diras est diminuer Christ? Tu ne pourras pas. Venir à l'église. Tu vas diminuer Christ sans le connaître. Tu ne pourras pas réussir. Quel que soit ce que l'on entreprendra sur cette terre et diminuer Christ, on ne pourra pas réussir. C'est pourquoi Saul, au moment où il maltraitait les disciples sur le chemin, en plein jour, il vit une lumière qui dépassait l'éclat du soleil. Et il est tombé. Il dit, ceux qui étaient avec lui ont vu cette lumière. Et il entendit une voix qui lui parlait. Dans la langue hébreu. Jésus comprend toutes les langues. Il s'est adressé à Saul dans la langue hébreu. Pour Saul. Et a dit Saul. 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 Et où tu es allé ton ami? Pourquoi me persécutes-tu? Et n'avais-tu pas eu la même envie de te botter en forêt? Il te sera difficile de régimber aux aiguillons. Il dit, Seigneur, qui ai-je? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Défi. Maintenant. Tu te lèveras et tu iras. Tu iras chez Anania. Et il priera pour toi et tes yeux s'ouvriront. Il n'y a rien que l'homme en
entreprendra avec les gaines de Christ et pourra réussir. Il n'y a rien que pourra entreprendre et diminuer Jésus et réussir dans cela. Il est monté en haut pour pouvoir gouverner sur tout, dominer sur toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres encore comme évangélistes, comme prédicateurs, les dispensateurs de la nouvelle. Quand on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, il va comprendre et recevoir Christ. Nous avons vu son exemple à travers Philippe. Le prédicateur Philippe. Évangéliste Philippe. Parce que c'est lui qui ira expliquer la parole de Dieu. À l'unique Éthiopien. Pour qu'il puisse comprendre les choses. L'Esprit Saint lui a parlé. Et il est parti. Quand l'Esprit Saint lui a parlé, il n'a pas traîné les pas. L'évangéliste n'est pas tête. Ce qu'il a à faire, par l'Esprit, il se lève promptement pour le faire. Quand l'Esprit a parlé, à Philippe, il n'a pas traîné les pas. Il est parti sur le champ. Et l'Esprit lui a dit, rapproche-toi du char. Et c'est quoi mon quelqu'un là? Il s'est rapproché. Et a vu que l'unique Éthiopien lisait le livre du prophète Esaïe. Et il lui a posé une question. Il dit, mais monsieur, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne m'explique cela? Et il invita Philippe à s'asseoir dans le chair avec lui. Et quand Philippe est entré dans le chair, il lui a expliqué les choses. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a montré Jésus. L'évangéliste montre Jésus. Après lui avoir montré Jésus, il a compris. Et sur le chemin, ils ont rencontré de l'eau. Et quand ils ont rencontré de l'eau, l'unique Éthiopien a demandé, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé du baptême de la repentance? Et il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, mais je crois déjà de tout mon cœur. Ils sont descendus. Pour entrer dans l'eau. Philippe a baptisé l'eunuque. Et une fois sorti de l'eau, après le baptême, l'Esprit enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. La Bible nous a révélé que l'Esprit est allé déposer Philippe à Azote et il a commencé à prêcher la parole de Dieu là-bas. Il a progressé dans l'évangélisation et montré Christ là.
Mais dès qu'à ton baptême, bah, il est mais là, notre besoin dit, bah, notre baptême, bah, il est qu'à quoi, c'est quoi, il est tombé de coco. Et ceux qui courent aujourd'hui pour le baptême ont-ils déjà cru de tout leur cœur? Baptême, bah, il y a quoi, nous? Le baptême, ce n'est pas une affaire de luxe. Mais bien sûr, nous baptisons, nous disons que quand on va y baptême, nous disons que quand on va y baptême, ah, il sait que quand on va y baptême, l'on a ouvert le baptême, l'on voit, il sait pour lui, il peut te couper, ouais, pour va y baptême. Je suis déjà baptisé, j'ai cru il y a longtemps, j'ai reçu mon baptême. Tu es baptisé, oui. Est-ce que tu as cru de ton cœur, de tout ton cœur? Est-ce que mes sous-sous, il va y baptême, il est macamon, nous n'ina, son Christ d'aider, pour y aller, ils sont déjà, ils sont ici même. Raison pour laquelle plusieurs ont été baptisés mais n'ont pas reçu un don venant de Christ. Un instant après, ils suivent de la foi. Mais ce sont pas les baptêmes. Church we were sous nos glories. Church we were nos glories. J'ai des plus niaisants. Ah mon, et on dit ouais, mais on doit des drains. On a télé, on a télé. Bon, la mettez bien perdue, maintenant. Church, la mettez bien perdue, maintenant. Church, la mettez dans des cadres. Et ma grande ligne, ben, bon, et Dieu signe nous dos, bon Dieu nous dos. Et mon moyen nous, et mon signe nous. Ah. Plusieurs sont baptisés. Mais ceux qui sont capables de venir à l'église comme il le faut, et tu verras les jours de Christ restent à la maison, devant leur télévision, à boire, manger. Et quand tu vas demander, ils diront, mais je suis un peu stressé. Le stress ne lui a pas empêché de boire et de manger. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai mal dans le corps. J'ai un peu, j'ai la courbature. Il va dire cela. Vous chercherez ces raisons-là pour ne pas aller à l'église. Mais quand il s'agit de l'argent, tu le verras sauter. Mm. Tu vas te demander, mais où as-tu trouvé de telle énergie? C'est qu'il n'a pas reçu un don de Christ. Et qu'est-ce qui a fait cela? Et bien, il s'est couru à y être tombé de coco. Parce qu'il n'a pas cru de tout son cœur. Et il est obligatoire, indispensable à chacun de nous de croire de tout son cœur. Et c'est la parole de Dieu qui accorde la croyance de tout cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu recevras un don qui t'est digne par rapport à la mesure que Christ te donnera. La mesure que tu mérites. Parce que chacun de nous mérite une mesure devant Christ. C'est ce qui correspond à l'eunuque éthiopien qui l'a reçu. Et c'est les faits là que nous lisons dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, il a reçu de Dieu par la main de Philippe. Et c'est ce qui correspond à Philippe qui l'a reçu et il est évangéliste, celui qui va montrer Christ aux hommes. Qu'est-ce qui te correspond toi? Moi je ne le sais pas. À moi Mais tu mérites une mesure, la mesure de ton don est devant Christ. But when we are joined there to Christ we are among you. Et c'est au moment où tu te laisses à Christ que tu pourras la. When we are among Christ don't mon gars. Au moment où tu trouves Christ comme chef. But Jesus m'a demandé we don't mon gars. Où toi-même tu ne t'es pas vu comme chef. Jesus m'a demandé we don't mon gars. Tu ne t'es pas vu comme quelque chose d'important. Et tu vois que c'est Christ qui est le chef. Oui, oui, de Christ, et tu t'humilies devant Christ. La mesure du don qui te correspond te sera donnée. Et ton cas sera différent des autres. Ainsi en est-il. Il y a toujours une différence entre deux frères. Un frère et tel frère, c'est toujours ce qui se passe. Du père, du fils. Chacun est particulier, reçoit ce qui lui correspond. C'est là où Dieu il est insondable. Tout ce qu'il fait est particulier, différent. Chacun a pour lui et ce n'est pas les mêmes. Donc tu écoutes ces paroles,
et recevoir les dons que tu mérites. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, prédicateurs qui vont révéler Jésus. Les autres comme pasteurs et docteurs. Qui go éclairer quand Jésus t'ont donné un gars. Grâce à Dieu, au nom de Jésus, dans les cieux. Mais dès le temps, il l'engue hotant au sein de l'homme-tant. Les autres comme pasteurs et docteurs. Il y en a gokon amen. Ils vont reprendre. Bonaïe au sein ma outre gokon amen. Ils parlent la loi, les préceptes divins vont reprendre. Bonato nous les bobes ou manati. Ils vont mettre de l'ordre dans les choses pour qu'ils n'y a pas de désordre. Si Dieu établit quelqu'un comme pasteur et docteur, et toi tu refuses de lui obéir, est-ce que tu vas réussir? Ce n'est pas affaire de vouloir. C'est Dieu, c'est Jésus qui donne d'abord. Mais c'est sous nos dieux l'aigle. Plusieurs désirs envient cela aujourd'hui. Ni ouam mon bob, bêtant les plis les yeux les sous nos dieux on a bâillé les bohotos. Et ben ils. Quand ils voient les gens se rassembler autour, ils désirent s'établir pasteur. Bon, yeux les ils iront voir le devancier, le pasteur qui est établi, et ils vont dire telle chose que nous sommes en train de voir. Et si l'on gère ça de cette manière, est-ce que ce ne serait pas bien? Ou quand le pasteur va parler, eux secrètement va le voir et dire, mais ce que vous avez dit en temps, est-ce que ce ne serait pas bien parce que ce que vous aviez dit là, ça ne pourra pas aller. Et ils vont perturber l'ordre qui est établi. Et Jésus, depuis les cieux, les regarde tranquillement. Et écrit cela, note cela pour eux. Et va prononcer son jugement demain. Est-ce que je t'ai établi comme pasteur sur mon troupeau? Pourquoi as-tu dit telle chose? Pourquoi as-tu perturbé le plan, l'ordre qui a été établi en ce moment-là? Comprenons. Et si nous parvenons à la compréhension, chaque personne recevra la mesure du don qui lui correspond. Et nous n'allons pas démesurer pour perturber l'ordre, le plan de l'Éternel. Il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement. Laissez parvenir à la perfection. Amen. Amen. Ce que Jésus veut de nous, c'est que nous parviendrons à la perfection. C'est pour cela que ces dons existent. Il donne à chacun selon sa mesure. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ pour que cela ne trébuche pas, cela doit résister et vivre. Qu'est-ce qui est en nous, par laquelle ou par lequel nous sommes en train de prêcher ou de parler ici? C'est le don de Dieu qui est l'âme. Si Dieu l'autre, on tombe. Et il est obligatoire que l'âme soit dans le corps avant que le corps ne résiste. Ainsi, en est des dons de Christ pour son église. L'église qui n'a pas les dons de Christ présents, alors cette église va chuter.
Une maison qui est en manque de don de Christ, cette maison va chuter de la foi. Parce qu'il n'y en aura pas une révélation. Et chacun agit selon son gré. Chacun sera en train d'agir selon son penchant jusqu'à ce que cette maison soit écoulée. Toi et moi, nous sommes le corps de Christ. Et cet don doit nous remplir avant que le corps ne tienne solide pour ne pas trébucher. Et le 13e verset. Mina. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous tous, nous parviendrons à l'unité de la foi. La foi est chacune. Nous allons tous parvenus à l'unité de la foi. Et nous tous, nous serons à l'heure à l'église. Il invite tout le monde à être à l'heure. C'est selon la foi qu'il a qu'il parle. C'est selon sa foi qu'il parle. Moi, je n'ai pas encore atteint ce degré-là. Pourquoi ta foi n'a pas atteint ce degré-là? Ta foi doit obligatoirement atteindre ce niveau-là. Nous tous, nous allons parvenir à l'unité de la foi. Ati, nous au vie et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait par Christ. De la statue parfaite de Christ. Ainsi nous devons. Nous devons ressembler à Christ. Nous tous nous allons ressembler. Et avoir la statue qu'il a. Et quand on nous verra, on dira vraiment ceci, c'est des dieux, c'est Jésus même qui arrive. Quand on te verra, on dira Jésus vient. Certains même honte devant de tels propos. Ils disent, quand on me voit, on dit Jésus, viens Jésus. Si tu ressembles à Jésus, on va t'identifier à lui. Non. Jésus, ou bien certains disent que quand on me voit, on dit Jésus, comment tu vas, ça va chez toi. Certains disent qu'ils ont honte, mais si tu ressembles à Jésus dans tes actions, certainement on te dira de telles choses. Tu dois être fier. La Bible nous déclare qu'Antioche, que pour la première fois, le nom de chrétienté a été mentionné. Et après avoir regardé les apôtres, les disciples, ils ont dit, mais certainement ceux-ci, c'est des chrétiens. Nous devons ressembler à Christ. Et c'est seulement à cette condition que nous pourrons réussir. Le 14e verset dit. Et quand nous ressemblons déjà à Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent. Emporté à tout vent de doctrine. Mais
Il y a plusieurs qui sont flottants à tout vent de doctrine, qui n'ont pas confiance en la doctrine de Christ. Et quand ils voient un prêtre ou un faux prophète apparaître quelque part qui prie ou les gens tombent là-bas, ils vont courir pour aller. Pour ce que nous connaissons, ce sont les gens qui sont atteints d'épilepsie qui tombent. Et celui qui atteint d'épilepsie devant Jésus-Christ, pour qui Christ a prié, il est tombé. Et Christ lui a donné la main, il a relevé qui était un sujet de tourment devant tout le monde. Celui-là qui était possédé par cet esprit, quand il a vu Jésus, l'esprit l'a fait tomber devant Jésus. L'esprit d'épilepsie qui était en lui l'a fait tomber. Et Christ a prié pour lui, lui a tendu la main et l'a fait relever. Et quand on prie et plusieurs commencent par tomber et vous ajoutez la foi à cela, est-ce que c'est parce que vous êtes animé de l'esprit d'épilepsie là? Nous ne sommes plus atteints de ce démon d'épilepsie, non. Avant qu'on ne se mette en transe, chaque jour à l'église, on ne fait que tomber. Est-ce que l'affaire de la foi, de la croyance, est une affaire de tomber tous les jours? La foi, c'est une affaire de fermeté. Et on doit tenir droit. Et être ferme jusqu'à la fin. C'est pour cela que Jésus nous a dit, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas ceux qui tombent quand on prie qui vont être sauvés à la fin. Ceux qui tiennent et qui persévèrent ferment jusqu'à la fin. Pour ne pas être des enfants flottants à tout vent. À tout vent de doctrine, nous sommes déjà emportés. Il y a une nouvelle doctrine. Qui révèle Christ. La Bible ne t'a pas révélé Christ, mais c'est une nouvelle. C'est que tu te perds comme ça. Pour ne pas être des enfants flottants à tout vent de doctrine. Bon, au colloque, béton les tondales. Par la tromperie des hommes. Béton les tondales. Donc les hommes trompent. Seul Jésus dit la vérité. La vérité de Jésus se trouve dans la Bible. Que chacun de nous s'attache fortement aux enseignements de la Bible. Si quelqu'un dit quelque chose quelque part, ne l'écoute pas. Qu'il soit en train de faire quelque chose, ne le considère pas. Ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait dans la Bible, reconnais ces choses. Attache-toi à cela, tu vas tenir ferme. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il nous est obligatoire de croire en le chef Christ, qui est Christ. Tu dois croire en Christ. Si tu finis de croire en Christ, si tu crois en Christ, tu auras la mesure de ton don.
Parce que ce n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour ceux-là qui ont connu de croissance. Ils te font obligatoirement connaître de croissance. En cela, tu recevras la mesure de ton don. De lui. À ti. Dans le corps. Oh, condo, pas. Et ton don d'aller. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Que tout le corps de l'eau bien coordonné boni nous pipe nous dopo gagagan et formant un solide assemblage non soudé qui sont tire son accroissement di ouvre de jehe a outou gonou dopo loko selon la force qui convient à chacune de ses parties. Le corps lui-même s'édifie dans la charité. La charité est primordiale. Celui qui va connaître de croissance en Christ doit avoir la charité. Excepté la charité, tu ne pourras croire en Christ. Et quand tu ne connais pas de croissance en Christ, tu n'auras pas la mesure de ton don. Et tu vas demeurer dans les ténèbres. Tu ne seras jamais dans la lumière. Et pour être dans la lumière, pour ressembler à Christ lui-même, ayons en nous-mêmes la charité. Comme ça, nous allons croître. Bon, et tu auras le don de la mesure de ton don. Ce n'est pas moi qui te le donnera. Christ, mais c'est de Christ lui-même. Il est monté aux cieux. Bon, et dominé à remplir toutes choses. Bon, et voit tout. Bon, et fait tout. Et fait des dons à ceux-là qui ont connu de croissance en Christ. As-tu déjà reçu la mesure de ton don qui te correspond? Et qu'est-ce qui t'empêche pour le recevoir? Il faut que tu aies de devant toi ces obstacles. Et la charité. Si tu es ferme dans les enseignements de Jésus. Nina to ya na so moyi. Et tu recevras ton don. Aya jeme wa na so no do no to Christ sin we le ponu. Et c'est tu resteras dans une joie parfaite pour adorer Christ. Nde manase we jayi kon gbede. Rien ne te fera très bien. Jésus nous donnera votre bénédiction. Que Jésus bénisse sa parole dans nos vies.
Thank you.
une chorale. Nous ne louons pas Dieu dans la paresse et dans la négligence. Tout ce que nous avons à faire devant le Seigneur, nous devons reconnaître que nous avons que peu de temps à passer. Si tu ne te presses pas pour le faire, tu vas vieillir. Et l'œuvre de chacun sera manifeste devant le Seigneur. Ton retard se manifestera devant le Seigneur. Tous tes mauvais propos se manifesteront devant le Seigneur. Que tu manifestes sera manifeste aussi devant le Seigneur. Tes murmures aussi seront manifestes. Et ton zèle, ta charité également seront manifestes devant le Seigneur. Et c'est ce qu'il y a de récompense. C'est pour cela, posons des actes qui auront davantage pour nous. C'est maintenant et tout de suite. Ce n'est pas demain. Parce que il sera trop tard pour le lendemain sera trop tard. Et ma vie biba iba. Et il n'y aura plus possibilité de refaire. Dinwe okulu no na. L'Éternel Dieu nous a donné. Tinde na ra mi lo mi lo wa nu. Nous devons faire ce que nous devons à faire dans ce bref de temps qu'il nous a accordé. Mi ma se ma wu di de no se boshi oro lo. Nous ne devons pas adorer Dieu comme on adore les idoles. Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est pour cela, adorons-le avec un cœur sincère, avec respect. Que ce ne soit pas dans l'égoïsme ou dans la volonté de chacun, non. Dans l'entêtement, non, ce n'est pas bien. Nous ne devons pas le servir avec de tels comportements. Si nous l'adorons avec un cœur sincère, avec l'obéissance, obligatoirement nous allons recevoir ces bonnes grâces. Josué et Caleb ont reçu la promesse à cause de leur cœur sincère par lequel ils ont adoré Dieu. Et cette promesse également fut accomplie sur leur maison. Donc, pour que ta maison reçoive de bonnes grâces ou de bonnes choses, cela dépend de toi. De ce que tu fais ou de ce que tu dis devant le Seigneur. C'est ce qui fera que les choses seront bien. Allons prier au nom de Jésus. Chacun suppliera Jésus et dira: je ne connais pas le nombre de jours que tu m'accorderas encore pour te servir sur terre. Que cela soit nombreux ou non, voici ce que je souhaite. Aide-moi pour que je puisse croître en faisant ta volonté. Aide-moi à passer tous mes jours dans tes mains. Que je ne les passe pas dans le monde. Pour aller à la perdition avec le monde. Donne-moi le salut, afin qu'une fois que je t'ai rencontré, que je ne trébuche plus de ton chemin. Que jamais je ne retourne en arrière ou t'abandonner. Mais accorde-moi la fermeté jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, prions. Car tu ne nous as point délaissé. Tu n'as pas permis à ce que nous soyons. Nous a amenés à ta lumière.
But me to bibia to yin kan wi wetu. Ayiri a wu wan to we do heme do koro koro teto ni o to me kakaro je godo di vi o. Ye mo hi o to bo so ja yi mo ko bi o sin vlu me ba ho ene to na yin koro agun pe ko. Je de ko mi na san le mi ma yo amo mi nkan popo do a lo to me. Tori ya yin o koro na jere le ton o koro na wa he mi do te na je ko mi na san le ko koro na. Na ko mi to mi ni bi e me o koro na. Etena yin a wu sien tu klana so kupe to yi se me gbele gwe to nu mo nko le ko na me do kuro ko o ye wa yin yon na no ye wa no na me yon na no na yon na sunu ko yon po gwe popo na ni do no ti to aya je me to nu kan to ko na bi gbo wi we ti wa no form me be no no gbe to nu kan to e o kuro na bi gbo wi we to ni no form me do kuro ko na ye ni ma da me no to nu kan to e blo o kuro na wa yin do na o ko to we so yi do na sunu ko yon po di fi o bi gbo e no do bo na ko to e po ko to e no sha to nu ku me to me ba ye ron dodo nu de no se tegbe be mo yodo nde gbigbo le pa ton ni be se son me ro kuro ko me di fi o o ho to de mi se to afun we ni yan si sagbe ton bo sa to me ro kuro ko me kaka do bi ogbe ma ro ko do me o he yin la kai no chadu son me be no je agba bo de e wa do e so no go yi ko tata ro mo o kuro no gbere we to he yin la kai ne na yen ko ro agun ko o me ro kuro ko ni le ko yi ko ro do na to ko o nu kun da gbe to ni tin na me ro kuro ko di fi o a holu ko holo no mi na to bo na de do kula me ro kuro ko yi to jijo ko me o jira de ko de mi na zana we do nu yun de na zana we lo to ko me ton gbe ko do o vi le ko ro asi le ko ro asu me ton ko na ro go ko to e firin yi nu yun e lo bo ro do na me ro kuro ko o amen bi po tin ta pe ton e ro ze me do po ye mo ro wa zan jere lo na we dide jere ni zan lo ba bo yi no ba ku won to epo bi po tin ta pe ton lo ni ma ze me le do bro o kuro ko di bi po de ka no ya wo no wa de pe yi lo do na sunu ko yon po o kuro na bi po yin la kan le gba ton de to nu wa to fi bo no ti me bo yi no to go to bo no ta fo ton lo go to ka ka ga me no yi bo no wa wa de pe to ga go to be bi po ni se sun me le ko me o kuro to jesu mo le kan to si yin ko amen.